Les 100 jours de malheur de Abdelmajid Eboune, Abdelwahab Fersaoui condamné, les raisons du renvoi au 27 avril du second procès de Karim Tabou, un opérateur allemand propose à l'Algérie du matériel sanitaire. Algérie, les 100 jours de malheur de Abdelmajid Eboune. Un haut fonctionnaire sans relief chargé par les militaires de redonner une tenue civile au pouvoir, se retrouve désarmé devant une dégradation sans précédent de la situation. Erreur de cap doublée d'une grosse erreur de casting. Choc en vue. Lorsqu'il y a un peu plus de 100 jours débute le travail d'Abdelmajid Ebboune à la présidence de la République, les premiers cas de coronavirus ne sont pas encore diagnostiqués dans la province d'Hubei en Chine, le pétrole est proche des 70 dollars le baril, et la pluviométrie, décevante en décembre n'a pas encore évolué en sécheresse hivernale. Le chaos sanitaire et économique qui va marquer sa première année de mandat n'est pas de sa responsabilité. Choc exogène. Le bilan de sa période probatoire pourrait donc s'arrêter là. Pas de chance. En réalité, si le président intronisé le 12 décembre dernier par l'homme fort de l'armée, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, n'a déclenché ni pandémie, ni chute des cours du brut, ni sécheresse, il est supposé, par les prérogatives démesurées de sa haute fonction, faire face à leurs conséquences sur l'Algérie durant les prochaines années. Or, rien ne l'y préparait. Abdelmadji Tebboune vieux routier des collectivités locales au parcours entaché d'affaires, le comte Khalifa, les promotions chiquies, ne faisaient déjà pas l'unanimité au sein de la haute hiérarchie de la NP pour répondre aux défis lancés par les Algériens pour un changement radical pacifique. Il a continué à être rejeté semaine après semaine par une majorité d'Algériens qui ont refusé le vote du 12 décembre. Isolé, sans le squelette d'une coalition politique pour porter son action, ces 100 premiers jours ont vu le contenu de son mandat se compliquer dramatiquement. Partout dans le monde, l'effondrement des certitudes sur l'avenir des activités humaines, les prochains mois ont produit des remises en cause profondes des modes de gouvernance politique. Les consensus politiques inclusifs des volontés citoyennes sont les réponses les plus solides dans de tels contextes de risque létal sur l'organisation des sociétés humaines. Abdelmajid Abouna a incarné depuis ses débuts la caricature inverse à un projet fédérateur. Il a ajouté au rejet populaire constant depuis son avènement le spectacle d'un homme incapable de s'imposer en chef dans son propre camp. Les 100 premiers jours de son mandat sont une litanie de malheurs. La promesse spectaculaire que le défi était trop grand pour lui avant même le coronavirus et la panne du monde. Tout a donc nécessairement commencé par un premier malheur. Le président à peine investi dans ses fonctions perd son mentor avec la disparition brutale de Ahmed Gaï de Salah le 23 décembre 2019. Scénario imprévu. Que n'importe quel homme politique rompu à l'exercice pouvait tourner à son avantage. Abdelmajid Tebboune perdait son meilleur soutien autant qu'un encombrant allié. S'ouvrait devant lui l'opportunité de déployer sa propre feuille de route. Celle qu'il a esquissée le soir de son avènement en parlant de tendre la main au Irak. Tout se déroule en mode reverse. Plus les jours s'écoulent, plus le président se liquéfie dans le bouillon sécuritaire qu'il a vu naître dans sa nouvelle fonction. Élargissement massif de détenus politiques le 02 janvier. Retour au mandat de dépôt de personnalités politiques deux mois plus tard. L'itinéraire du malheur peut être une volte-face. Aujourd'hui transformé en une nuit des longs couteaux. En pleine trêve sanitaire nationale, extension de la chasse aux journalistes et aux militants du Irak ciblés de longue date par Antar, l'attentat symbolique contre Karim Tabou en étant le point d'orgue. Tabou n'a mis deux mois pour comprendre qu'il ne pouvait stopper le mouvement populaire avec la promesse d'une belle révision de la Constitution et de quelques libérations de détenus politiques. La grande mobilisation autour de la date anniversaire du 22 février a fini de l'en convaincre. Au lieu de s'émanciper en fin de projet, finalement sans avenir, de mettre au pas le Irak populaire que continue de mener la haute hiérarchie de l'armée et les services de sécurité, Tebboune s'est laissé mollement glisser dedans. En candidat autocrate insipide et pusillanime. Comme lorsqu'il a menacé, y ajoutant l'effet de manche, de mettre en prison les Algériens qui ne respecteraient pas les mesures de confinement dans un symptomatique dérapage verbal pendant sa dernière conférence de presse oubliant au passage que son fils, contre lequel pesaient de sérieuses accusations de trafic d'influence autour de la législation de l'urbanisme, dans l'affaire Chiki, Boucher, venait de bénéficier, le 26 février 2020, d'un spectaculaire retournement entre le contenu documenté de l'acte d'accusation et le verdict. La relaxe de Khaled Aboune, elle, n'est pas un malheur dans les 100 premiers jours de son père. Le système voulait se sauver selon des paramètres simples, Accessible aux urgences mentales de Ahmed Gaïd Salah, mettre un civil docile au palais d'El Mouradia pour ne plus avoir à assumer publiquement la réalité du pouvoir politique en Algérie. Ces paramètres déjà anachroniques face au Irak, comme le montrera la poursuite des marches populaires s'avère désespérément chétif lorsqu'il faudra désormais demander à un personnage sans consistance de produire et de conduire la réponse vitale à la pire situation du pays depuis le 10 janvier 1992. Face à une telle succession d'infortunes, il faut bien tenter d'exister, pour donner le change au destin. Abdelmaji ne s'est vite éteint sur le front politique. Quelques audiences de personnalités des promesses d'ouverture qui n'engagent que ceux qui ont voulu les croire, et puis un anonyme chantier constitutionnel quasi identique par son procédé à celui de Bouteflika ou Yaya de 2016. La pandémie du Covid-19 est, malheur sur malheur, rapidement venue lui retirer l'agenda international comme recours pour habiter un temps soit peu la fonction présidentielle qui lui était tellement contestée tous les vendredis dans le pays. Qu'est-il donc resté à Abdelmajid Aboum avant les mesures anti-pandémie, pour entretenir l'illusion que ces 100 premiers jours sont réellement le début de quelque chose de nouveau. Une série de décisions anthropiques dans la sphère économique, dernier territoire offrant l'illustration factice d'une empreinte régalienne, changement au juché à la tête des entreprises publiques, Naftal, Sonatrach, Seydal, Algérie Télécom. Instruction directe à Air Algérie pour ouvrir des destinations domestiques, réputées pourtant non économiquement viables, sans chiffrage ni engagement d'indemnisation pour suggestion à mission de service public. Abdelmajid Aboun a tellement peu exercé ses véritables prérogatives politiques qu'il s'est laissé défouler sur un PDG étranger de Orédo, expulsé Manu Militari pour un prétexte de plan social qu'il s'apprêtait à exécuter contre l'avis du syndicat. Le prétexte n'a jamais été confirmé depuis, et le choc d'un président personnellement mobilisé dans la chasse aux ressources étrangères résidentes pour le business en Algérie, n'est pas près d'être oublié par les investisseurs étrangers. Théboune n'a pas eu le temps de réfléchir à la diversification de l'économie algérienne. Il pense sans doute pouvoir la conduire sans capitaux extérieurs. Peut-être aussi de tout le privé national. Faute de réponse aux revendications politiques du Irak populaire. Il a laissé se remettre en route l'agenda judiciaire anti-corruption pour une nouvelle saison, grâce à quoi il a tétanisé à nouveau, avant même le nécessaire confinement, l'écosystème des chefs d'entreprise privées, notamment après les incarcérations en février dernier de deux poids lourds de la filière agroalimentaire, Amor Benamor et Osin Metidji. Lorsqu'il est interpellé sur les réformes économiques attendues, Abdelmajid Tébouna. Éloquent en règle générale, devient primitif dans le propos et se retourne vers son ministre de l'Industrie, comme si Ferrata Italie, égaré en terre hostile, détenait la recette du druide pour produire la potion magique. Rien à dire en vérité sur le sujet. La situation est donc celle-là au bout de 100 jours de la présidence de Abdelmajid Tebboune, Renversement intégral le système charpenté, plus que jamais. Autour de la NEP a choisi un homme façade pour ses qualités de malléabilité et son absence de charisme politique. Cela devait faire l'affaire dans une vision martiale idéale où tout le monde rentre à la maison après le 12 décembre. Cent jours plus tard, le tableau est chaotique. Les Algériens restent encore plus défiants devant la nouvelle vitrine civile et la crise politique s'est aggravée. Mais entre-temps, la mission initiale du président choisi s'est complexifiée comme jamais. Il y avait une erreur manifeste de cap d'avoir cherché à enfumer les Algériens avec une élection présidentielle interne au régime. Elle n'a apporté finalement que malheur à ses concepteurs. Elle est surtout devenue dramatique avec Abdelmajid Abouna à la tête de l'Algérie. Ce président sous-qualifié et qui n'était pas programmé pour une mission qui a changé de dimension. Dans ce contexte de crise mondiale où l'intelligence politique, la compétence opérationnelle, et la capacité à construire des consensus forts ne suffisent même plus là où ils existent dans le monde, à garantir une issue au peuple et au pays. Que penser de l'Algérie au terme de cet échantillon de 100 jours de présidence Tebboune Qu'il porte en lieu la promesse d'un choc terminal pour le système qu'il veut sauver, mais peut-être dans son élan de malheur, pour de très nombreux Algériens. Abdeloua Abfer Fersaoui condamné à une année de prison Abdel Fersaoui, président de l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, a été condamné, ce lundi, à une année de prison, par le tribunal de Sidi Mamed, à Alger. Le 23 mars dernier, le parquet avait requis deux ans de prison et 100 000 dinars d'amende. Le président de RAJ a été arrêté le jeudi 10 octobre 2019 devant le tribunal de Sidi Mamed, alors qu'il participait à un rassemblement pour la libération des détenus d'opinion. Le Comité national pour la libération des détenus, qui annonçait ce matin le verdict, sur sa page Facebook, a relevé que l'acharnement judiciaire se poursuit contre les activistes et les détenus en cette période de confinement des citoyens. La directrice d'Amnesty International Algérie, Asina Ousudik, a estimé, quant à elle, que condamner un militant à une année de prison ferme pour avoir exprimé son opinion pacifiquement sur Facebook en pleine crise sanitaire est inadmissible et scandaleux. Lit-on sur le portail électronique de l'ONG. Les raisons du renvoi au 27 avril du second procès de Karim Tabou. Le second procès de l'homme politique Karim Tabou ne s'est pas tenu aujourd'hui, comme programmé. Ce procès a été renvoyé au 27 avril prochain, à cause des mesures sanitaires interdisant de faire sortir les prisonniers pour être jugés. Ainsi, bien que certains avocats de la défense étaient présents, le procès ne s'est pas tenu car le mis en cause, Karim Tabou, condamné dans une autre affaire à un an de prison ferme, se trouvait dans l'établissement pénitentiaire de Coléa. Selon son collectif de défense. Il s'agit de l'application d'une décision du ministère de la Justice visant à protéger la population carcérale d'une éventuelle contamination au coronavirus. Le même collectif, qui rassure au demeurant sur son état de santé, souligne que ce report était également voulu par les avocats de Karim Tabou, qui ne pouvaient pas tous faire le déplacement à Coléa en raison des mesures de confinement sanitaire. Toujours incarcéré à la prison de Coléa. Karim Tabou souffre d'une hémiplégie. Selon ses avocats qui lui ont rendu visite en prison, Karim Tabou se porte mieux. Dans un communiqué, sa famille affirme que son état de santé s'améliore. Les parents de Tabou ont par ailleurs dénoncé le procès arbitraire et unique intenté à notre cher fils Karim qui est en violation flagrante du Code des procédures pénales, de la Constitution et de toutes les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Nous faisons porter l'entière responsabilité à toutes les personnes impliquées dans cet acharnement judiciaire contre Karim. Cela concerne aussi bien les autorités sécuritaires, politiques que judiciaires. En premier lieu, nous citons le juge qui a ordonné son emprisonnement sans procès, ont ajouté les parents de Tabou qui ont réclamé dans ce sillage l'ouverture d'une enquête qui sera supervisée par des organes indépendants afin de faire toute la lumière sur ceux qui sont derrière ce traitement inhumain et cruel. Que subit leur fils depuis le 11 septembre 2019. Un opérateur allemand propose à l'Algérie du matériel sanitaire à des prix abordables, le ministère de la Santé ne lui fournit aucune réponse. En pleine course mondiale pour l'acquisition du matériel sanitaire et médical dont ont besoin cruellement les médecins dans leur lutte contre l'épidémie du coronavirus Covid-19, l'Algérie nargue un fabricant allemand qui lui a fait parvenir une offre détaillée des produits pharmaceutiques incontournables et qui font l'objet de pénuries dans le monde entier. Algérie par a obtenu au cours de ses investigations un document exclusif qui résume l'offre faite par l'opérateur allemand Stern -Med GmbH. Basé à Ravensbourg en Allemagne, au ministère de la Santé algérien. Cette offre soumise par cet opérateur allemand est chiffrée à 4,1 millions d'euros. Il s'agit d'un montant très abordable par rapport à l'envolée des prix internationaux des produits pharmaceutiques, qui sont recherchés dans le monde entier pour stopper la contagion du coronavirus Covid-19. Selon ce document, L'opérateur allemand a proposé à l'Algérie dans son offre 100 respirateurs artificiels. 20 62, 200 seringues électriques, 100 moniteurs multiparamètres, arceau mobile de radiologie avec un système digital permettant la radioscopie ou la radiographie numérique. Xeno M100. Les avantages de cette offre sont multiples, a-t-on appris auprès de plusieurs sources médicales? D'abord, il s'agit de prix beaucoup moins chers par rapport aux prix qui sont affichés en ce moment sur le marché européen. Ensuite, il s'agit de produits solides et fiables de haute gamme Made in Germany. Mais, naturellement, en raison de la forte demande mondiale sur ces équipements médicaux, les prix proposés par l'opérateur allemand au ministère de la Santé algérien peuvent facilement augmenter et les mêmes produits risquent d'être indisponibles dans les jours à venir faisant preuve d'une totale inconscience. Le ministère de la Santé algérien n'a même pas pris le soin de répondre à l'offre de cet opérateur allemand se permettant ainsi le luxe de le narguer alors que le monde entier est en ébullition pour acquérir des moyens de protection et des équipements médicaux. Quand nos dirigeants vont se réveiller, il sera peut-être trop tard et la pénurie mondiale de ces produits pharmaceutiques sera beaucoup plus accentuée. Abonnez-vous à notre chaîne cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.